Bye les amis, il est les bonnes nouveaux, vous l'avez bien sûr, à l'équipe et vous souhaitez une prochaine vidéo sur ces discounts. Et oui, ces discounts, on est parti pour regarder des jeux de Switch, de véhicules aujourd'hui, ou de course de véhicules, voilà, entre guillemets, de véhicules ou de course de véhicules. Donc, on a actuellement Speed 3, un jeu arcade pour la Switch. Donc, peut-être un bon petit jeu, ouais, ça peut être un ça ressemble à un petit jeu de F1, voilà. Donc Speed 3 Grand Prix, donc c'est vraiment l'arcade qui coûte notamment à 27 euros. Voilà, on fait un petit peu comme les jeux, tout ça, voilà. On fait comme les jeux PS5 la semaine dernière. Il y a, on va pas le dire, mais il y a 15-3 à 10 euros. Tu crois que les gens ils vont acheter ce jeu? Donc il est en solde. On a, non, c'est pas un jeu de course ça. Off-Road Racing jeu de Switch à 18 euros. Les magasins ne veulent plus. On a Crash Team Racing Nitro à 38,47 centimes. On a Moto Racer 4 Definitive Edition à 25,39 €. On a tous les mêmes. On a Grip à 19,99 €. On a Team Sonic Racing à 25,67 €. Voilà, un très très bon prix. Gear Club Ultimate 2. Parce qu'on a, nous, on est en train de faire le Gear Club Ultimate 1. En live sur ma chaîne Switch Gaming Live, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, là je suis en vacances, mais je vais très vite revenir. Je pense que là, si je vais revenir, on va revenir. Ok. On a Xenoracer, alors un jeu qui n'était pas très très bien, mais on peut l'acheter si vous voulez, à 21,06 €. Voilà. On a Gear Club 2 Porsche Edition à 32,98 €. On a Overpass D1 Edition, mais alors le prix il est quand même salé, 59,90 centimes. C'est un jeu quand même cher. On a peut-être une petite vidéo assez courte là. Need for Speed Hot Pursuit Remaster à 28,32 centimes. On a MotoGP 20, ça doit être pas la cartouche. Je pense qu'à ce prix-là, il n'y a pas de cartouche. Ouais, je pense qu'il n'y a pas la cartouche. Il y a vraiment un code de téléchargement. Oui, seulement 19,90 centimes si c'est sur ce prix-là. On a WRC 8. Alors, le prix, je vous en parle pas, mais 84 euros, mettez pas. Ce jeu-là, ne l'achetez pas à ce prix-là. Il est bien, le WRC, mais pas 404 euros. T'as pas misé. TT Isle of Man 2 à 25 euros. Ça coûte sur peut-être un jeu que je vais récupérer plus tard pour ma collection Switch. Oh putain, mais le mec gros, il va chier des jeux Switch. Bah oui, c'est le but. Hot Racing, jeu Switch à 20 euros. Alors, ce jeu, pas trop, hein, ça ressemble un petit peu. Fat Furious sur Nintendo Switch, clairement. Oui, il sera sorti en mois de novembre, mais ouais, il sera en mois de novembre, à 40 euros. On a Hello Titi qui va acheter ça. Bon, surtout à ce prix-là, 44 euros, tu vas dire que le jeu un peu daubé, mais pas à ce prix-là. À ce prix-là, c'est encore plus quiche. On a MotoGP 18. Pff, pour un jeu, frère. La version 18 à 59 euros, frère. On a Brass et les Monster Machine. À 40 balles, 40 euros, à 32,89 centimes précisément. On a Pilote Sport. Mais ce jeu, il coûte pas à ce prix-là. 83 euros, 26 centimes. Mais ça coûte pas à ce prix-là, un jeu comme ça. What? On a Gear Club Ultimate, le premier opus, à 35 euros. Je sais pas si on fait un troisième opus, je sais pas. On a Alstar Free Racing à 20 euros. Bon, c'est un jeu pas très. Les gens, ils vont pas trop acheter. On a MotoGP 19, voilà. On aura des versions un peu. À 29,94 centimes, on a jeu vidéo Super Story Cars 2, ouais, c'est vrai, c'est un jeu de bébé à 30 balles. Ça se vend à 5 balles, ça 10 balles, allez, 10 balles maxi. Bon, encore t'es mis à 10 balles. On a Crash Ken Kart 2 à 30 euros. Ce jeu, tu peux aller un peu plus 15 euros, 20 euros. On a, ça on l'a déjà vu. Islamon Hoffman, alors ça c'est le premier opus, mais à 40 euros pour un premier opus quand même. Les premiers opus, les gars, à ce prix-là, faut quand même les baisser. Big Ben, Aquamoto Racing, d'ailleurs, c'était juste à l'époque, je voulais récupérer 30 euros. Il coûte quand même 30 euros le jeu, mais c'était un des jeux que j'ai envie de récupérer, ce petit jeu. Voilà, ce petit jeu-là. On a un Moto Racer 4, code de téléchargement dans la boîte, mais comme 4 de 14 euros juste pour un code de téléchargement. Ça veut dire que c'est quand même plus valable. Trial Racing Edition Gold à 16,89 centimes, toi c'est quand même un prix valable. Très valable, c'est un jeu sûr, à mon avis c'est un jeu qui doit être trop très très bien. On a WRC 9 Nintendo Switch à 50 euros. C'est quand même un jeu très cher,
Mais pour 50 euros, ça va quand même. Mais c'est un jeu quand même cher. Et en plus, il est en solde, hein, 50 euros. Alors en solde, ça vaut pas le coup. S'il sera en ensemble, ça va, mais là, il est en solde. Ça vaut pas trop le coup. Ouais. Ok, un porte vos clés offert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je te compterai avec le prix. Hein. On a Descender avec, j'avais testé juste pour moi, qui était gratuitement pour les gens qui avaient Nintendo Online. Descender à 36 euros, j'ai envie d'un jeu, j'ai envie de récupérer pour ma collection parce que j'ai jamais eu de vélo, de jeu de vélo. Et d'ailleurs, ce sera un jeu qu'on fera sur la chaîne. Il faut que je récupère. Donc, collection Twitch aussi a évolué. Hein. À la Switch, je pense que c'est la première console que j'ai fait autant. Après, on a Burnout Paradise Master, qu'importe quoi offert à 28,89 centimes par ce jeu, faut que je récupère. La version de Master, faut que je la récupère, les gars. La version de Master, faut que je récupère. Faut la collection. Ah ouais. Donc, c'est un jeu que, bon, que je vais faire l'année prochaine, mais je vais le faire. Je vais le faire peut-être cette année. Voilà. J'ai peut-être la chance de l'acheter, mais j'ai encore tellement de jeux à faire. D'ailleurs, on a vu quand même aussi à faire. C'est comme toi, j'ai jamais testé, que voilà, ces jeux de course sont intéressants. Urban Trial à 54 euros. Mais à l'époque, il coûtait 20 balles. Non, ça vaut pas le coup. On a Monster Jam à 45 euros. C'est un jeu comme ça. Ça, on l'a déjà dit. Hein. On l'a déjà vu. Revu, revu. Sujet revu, revu. Revu aussi. Ouais, je vous montre. Mais Rocket League à 89,89 centimes. Non. Ça vaut pas le coup ça. Ça on l'a déjà vu. Ça on l'a déjà vu. Alors, un prix encore plus haut. Une fois plus haut. Ah, on a Mario Kart 8 Deluxe avec 3 figures Mario offert à 41,39 centimes. Bon. Comme cher pour un jeu Mario Kart. Hein. Même s'il est en solde. En plus en solde. Hein. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Déjà vu. Ça, bah, ça c'est même pas dans la catégorie. Ça non plus. C'est pas dans la catégorie course. Monster Jam Stealth Titan, j'ai une Nintendo Switch à 35,89 centimes, c'est quand même un jeu, bon c'est un peu cher ce coup-là. 30 balles bien sûr, mais. Et on va regarder les. Ah, on a. Je pense que c'était pas mal vers les derniers jeux qu'on va terminer. Monster Energy Supercross 3 sur Nintendo Switch. Quoi? Non. 131 euros. Je le prends pas. Non, mais c'est un jeu à arnaquer. Non, je le prends pas. Bon, Rocket League Ultimate Edition à 89 centimes. Non, mais ça, c'est 89 euros, 89 centimes, c'est abusé. Je vois ce prix-là. Bon, on va regarder maintenant le véhicule. Cul. Parce que ça me paraît bizarre. Tu vois. Voilà, ça me paraît un peu bizarre. On a le code de la route, nouvelle édition sur Nintendo Switch. D'ailleurs, enfin, je vais récupérer. Hein. 149 centimes. On a. Il y a beaucoup de jeux. Hein. Après, il y a Mode Runner. À 21,67 euros, il était même hors solde, hein, il était à ce prix-là. Donc en solde, c'est pas très très valable si tu compares par son en solde. On a Farming Simulator 20 en vue de tracteur à 27 euros. Un peu valable quand même. On a RTV Drift Street, d'ailleurs, j'en jugeais à 25 euros. C'est un jeu qui est valable quand même. Un jeu qui est valable d'ailleurs. On a aussi le dernier jeu SnowRunner. Moi, je vais récupérer vachement moins cher. 66 euros, fil putain. Ok, voilà. Allez, amis, j'espère que vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et pour cette vidéo, passez une bonne soirée. Peace!